À la future maman. Au futur papa. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte ? Bouge pas. Oh, ça va, hein, c'est la loi du plus fort, hein. Les abeilles. Les abeilles sont des petits insectes de la famille des hyménoptères, qui mesurent à peine 1 cm de long, et qui seules seront bien faibles pour affronter le monde dans lequel elles naissent. Pour faire face à ce monde, très vite, chaque abeille prend son métier dans la ruche. Il y a les nourrices, qui produisent du miel pour les larves et tous les saints. Il y a les éclaireuses qui partent seules en quête des bons coins à butiner au risque de leur vie, entre terrains glissants ou encore grandes étendues d'eau. Celles-ci ont tendance à s'aventurer dans de nombreux pièges, là où il y a de la couleur, là où ça brille, et pourtant elles ont des besoins simples, comme boire, comme nous. Il y a aussi les gardiennes, qui seules, elles aussi, surveillent la ruche contre les envahisseurs et protègent les saints. Puis, il y a les reines. Maman m'a raconté que lorsque j'étais encore dans son ventre, j'avais fusionné avec la reine des abeilles, et que comme elle, j'avais le pouvoir de rendre les abeilles fortes, ensemble, même si papa dit à chaque fois que c'est quand même lui le plus fort. Mais aujourd'hui, l'abeille doit faire face à des dangers nouveaux, qui prennent une place grandissante et menacent leur survie, souvent introduites par l'homme involontairement. Ces dangers sont parfois plus grands qu'elles, comme le frelon asiatique, et parfois plus petits, comme le varroa, un acarien parasite. Mais le plus mauvais dans tout ça, c'est ceux qui sont volontairement introduits dans la nature, comme les pesticides, dans l'agriculture, et qui désorientent les abeilles qui ne savent plus rentrer à la ruche. Et le pire, c'est que certains préfèrent les cacher et mettre sous le tapis les graves problèmes qu'ils causent, comme les néonicotinoïdes. Hein, les néonicotinoïdes, néonicotides, mais c'est imprononçable. Rien que pour ça, il faut les interdire. Hein. Bravo à toi, maintenant je suis de ton côté. Tu vas bien derrière ? Oui, oui. Alors, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, faut croire que les plus faibles vont trouver des alliés.